mon coup. Gilbert. Peter. Yeah. C'est pas quand tu la petite boîte avec ça va, les billets et les machins. Avant d'avoir mon premier instrument, déjà plus jeune, mon père avait souvent un piano à la maison. Je pianotais, mon père nous faisait écouter à Yann et moi beaucoup de musique. Et moi ça me plaisait, il me faisait découvrir un tas de choses. Donc c'est par mes parents, je dirais, qui ont au moins, ils nous ont donné la chance. C'est un festival dans lequel je suis allé et il y avait des djembé fola du Niger. Et j'avais 6 ans, 5 ans à cette époque-là, et j'ai vu ce concert et ça m'a tout de suite plu. Je suis resté scotché devant les musiciens et j'ai dit je veux faire de la musique, je veux faire de la batterie, je veux faire de la batterie. J'ai commencé à jouer comme ça pour me faire plaisir vers l'âge de 16 ans. J'ai commencé il y a longtemps, j'ai commencé quand j'étais petit au conservatoire. Ça tout seul ou avec les groupes avec lesquels je jouais, mais j'ai pas de formation à proprement parler, pas de conservatoire, pas de prof, pas de cours particulier. Après qu'on apprend des choses, et ben on apprend aussi à voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui nous correspond, donc à faire des choix. D'accord. Et du coup on met cette phrase. On met juste ça. Je me suis intéressé aux musiques traditionnelles de Grèce, que j'ai appris d'abord tout seul, donc en écoutant beaucoup et en pratiquant, mais j'avais pas les informations qu'il me fallait pour comprendre, et donc après je suis parti habiter en Grèce, et là je suis allé au conservatoire en Grèce pour apprendre ce qui me manquait en France. Que ça parte pas aussi rapidement, ouais, ouais, ouais. Et que ça y en quelque chose. C'est une danse, quoi, tu faut penser comme ça. Avec, et du coup, à la fin, il n'y a que deux temps, il n'y a pas quatre temps, c'est bien ça, c'est ça qui m'a mis dedans. Oui, t'as raison, c'est ça. On reprend à partir du La 7, du Big Ten. Je crois que beaucoup de gens qui commencent la musique veulent tous devenir musiciens professionnels. Je voyais les gens à la télé, ou les je sais pas quoi, les artistes que j'appréciais, et puis moi, je voulais être ça, en quelque sorte. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. La fin, ça me saoule à chaque fois, il y a toujours cette putain de phrase qui part sur la dernière mesure de la grille. Et après, de fil en aiguille, c'est venu un peu tout seul, parce que j'ai intégré un projet, puis un autre. En commençant à faire des groupes, finalement, un petit peu par hasard, on commence à se rendre compte à un moment, « Eh, mais je gagne ma vie, là, c'est vrai. » Le problème, entre guillemets, avec la musique, c'est que c'est associé souvent au loisir, à la distraction. Alors, on a souvent tendance à ne pas prendre ça au sérieux ou à se dire que les musiciens, c'est bien, ils s'éclatent. Je connais pas beaucoup de musiciens qui prennent 10 jours de vacances ou un mois. Enfin, c'est assez rare quand tu fais le compte. Ah ouais, ça fait 2-3 ans que j'ai pas pris 3 semaines pour moi pour prendre des vacances. Il y a beaucoup d'heures... passer seul à étudier, à apprendre des répertoires ou un instrument. Faire le choix de ne faire que de la musique et pas faire de la musique et un petit métier à côté ou de l'intérim. Parce qu'il faut se rendre disponible pour travailler avec les gens, pour être disponible pour faire des concerts. Bon, j'en aussi d'être curieux aussi, quoi, de pas s'enfermer dans des groupes de musiciens, que ce soit dans le style ou dans les personnes, même géographiquement, quoi, de pas hésiter à bouger si... Si besoin, si on a toujours grandi dans une ville, dans une autre, enfin, essayer de rencontrer ouais, un maximum de musiciens. C'est pas en postant 2-3 trucs sur Facebook où on va avoir 15, 20, 100, 200 copains qui vont aimer. C'est pas suffisant, c'est pas ça.
C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un vrai travail. Donc il faut travailler, il faut savoir vers où on va. Et c'est pas facile. Moi, je dirais avoir de la patience, de la passion, et pas négliger quand même d'avoir de côté un petit truc, un diplôme pour, au cas où ça marche pas, parce que voilà, y a, comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui voudraient être musiciens et peu de gens qui y arrivent vraiment. On n'est pas obligé de passer par ce qu'on disait tout à l'heure, le conservatoire, par tout ça. Si on a vraiment quelque chose à dire dans la musique avec n'importe quel instrument, chanteur, je sais pas moi, harpiste, violoniste, n'importe quel instrument, si on a quelque chose à dire et qu'on en est et qu'on a la motivation, je pense qu'on peut dans tous les cas y arriver. Donc il faut pas lâcher l'affaire. Et du coup, il me reste un CD. Que représente la musique pour toi? Un plaisir, une passion, je dirais. Quelque chose de beau, de noble, qui permet de réunir les gens. On peut communiquer juste avec des instruments et se faire beaucoup de, enfin, se donner beaucoup de plaisir avec ça. Et passer une très très bonne soirée et rencontrer plein de gens juste en jouant de la musique et sans avoir à parler avec des mots de notre langue et de notre langage et tout. Et ça, c'est super important. Et sans musique, ça serait beaucoup trop triste. Ces fêtes populaires, on se rassemble, on danse et on chante. Pour moi, c'est l'essence de la musique. Aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. Mais c'est la même chose, c'est se rassembler autour de quelque chose qu'on connaît tous et qu'on aime tous et de le faire ensemble. Sortir un peu de la vie du quotidien, se poser ou être à un concert et écouter quelque chose qu'on saurait pas faire aussi bien et entendre cette musique qui t'emporte, qui te met des images à la tête. Et... Give. Volume à fond qui vient de la piste. Le fait de vivre de la musique, ça m'a amené déjà que je me lève pas le matin pour prendre le train, la voiture et aller au bureau et faire la même journée tous les jours. Rien que ça, tu vois. Ça m'a amené beaucoup de rencontres, beaucoup de plaisir à jouer de la musique, ça m'a amené à des découvertes, des voyages, quand tu pars jouer dans un autre pays, que tu fais une tournée. Voilà, après ça amène une certaine insécurité de l'emploi, on n'est pas toujours sûr de bien réussir. Laisse-la mon frère, comme ça on va régler avec la porte ouverte. Vous jouez avec la porte ouverte, Kevin. Kevin, remets les aiguilles à midi de Samir. Je veux le baisser un peu aussi, Salabé, bonne idée. Tu chantes à ce moment-là? Si on veut faire de la musique, il faut être prêt à se montrer parce que déjà, si on écrit une musique, des paroles, on se dévoile. Donc, quitte à aller au bout, et ben, il faut aller devant les gens et puis accepter ça. Donc, l'impression que ça me fait, et ben, c'est qu'il faut dépasser ses peurs parce que de toute façon, il faut être face aux choses, face à nous-mêmes et face aux gens. Et donc, c'est un bon moyen de le faire.
quel conseil donnerais-tu à un jeune qui aimerait se lancer dans la musique aujourd'hui? De faire un autre métier. Hein.